Salut à tous, bienvenue sur ce live magnifique d'Anthologie. Nous sommes toujours avec Anthologie aujourd'hui, madame, mesdemoiselles, messieurs. Je suis un petit peu en galère comme d'habitude, mais bon, vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Il est 11h12, je suis parfaitement en retard. Normalement, je devais être en live à 11h. Et pour une fois, je suis sur Twitch. Donc vous n'allez pas encore venir me pleurer dans les bottes, comme quoi je suis sur Twitch, etc. Je remettrai de toute façon le live, je le mettrai sur YouTube. Vous savez, je retransférerai le live sur YouTube une fois que ce sera terminé. Et ça fera office de vidéo de la semaine. Pourquoi ? Bah, comme d'habitude, j'ai pas tourné de vidéo cette semaine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un petit truc qui a changé chez moi. Ouais, c'est léger, je vais peut-être l'enlever du plan d'ailleurs, pour pas que vous voyez, c'est une surprise, mais c'est écrit dans le titre en fait, je suis complètement con. Donc à tout de suite, madame, mesdames, messieurs, j'espère que vous passez un bon week-end pour l'instant, parce que moi, oui, je passe un bon week-end, c'est génial. C'est dimanche, madame, monsieur, c'est le confinement encore et les magasins sont fermés. Ah, j'ai prononcé le mot. J'ai prononcé le mot magique, donc je vais me faire striker, hein, très certainement. Madame, messieurs, bonjour, salut, comment ça va? Ça va bien? Moi, je vais bien, je suis très content de vous retrouver. Voilà. Oui, je suis très content de vous retrouver, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Je l'ai pas pété au moins. Ok.
Ah là là, la petite surprise. Je vous ai dit que j'allais le planquer, puis je l'ai pas planqué. C'est triste, hein. Ah, dites à vos potes, hein, que je suis en live, etc. Vous savez comment ça marche, comme d'habitude. Non, non, c'est pas vrai, c'est faux. En fait, c'est une blague. C'est pas vrai, je l'ai pas acheté. Laisse-moi faire le déroulé de ma vidéo, s'il te plaît. Sinon, il n'y a plus de suspense. Il n'y a plus de suspense, mec. Qu'est-ce que tu vas faire? Par contre, j'ai un petit souci. Est-ce que ça lag chez vous? Est-ce que vous êtes en 15 images secondes ou pas, là? Parce que moi, oui. Je sais pas ce qu'il fout. Je sais pas du tout ce qu'il fait. Au secours. On voit la boîte. Oui, mais là, il... Attends, on voit vraiment la boîte, là? Non, on la voit plus, là. Il y a ma boîte de mouchoir, il y a mes câbles et tout, mais... Arrêtez de me faire peur comme ça. Hein? Oui, alors oui, j'ai fait un achat. Alors, je vais vous le montrer après. D'ailleurs, on va parler de ça tout de suite. Et puis voilà. Hein, comme ça, on sera tranquille. Alors, au niveau du son, petite mise à jour. Au niveau du son, alors je vois que le problème de lag est résolu, donc ça venait peut-être de mon PC. C'est fort possible. Au niveau du son, vous voyez, j'ai repris mon petit micro. On voit la boîte sur ton lit, tu vas être dessus. Ah oui, c'est vrai, vous la voyez. Ah bah c'est mort, mais elle est là. Regardez, elle est ici. Comme ça, voilà. Je ferai jamais la météo. J'y arriverai jamais. T'imagines en live à la météo. Alors, le contentin. Il est où le contentin? Ah, il est là. Putain, j'arrive pas à viser. Bah, tu vois, c'est nul. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je vous montrerai après. Il y a des petits changements. Si vous me suivez sur Instagram, il n'y a que moi. Donc, t'as une chance. Oui. Ah, c'était tout seul. Effectivement, c'est un peu con. D'ailleurs, je vais partager le. Tiens, je ferai mieux d'ailleurs de partager le. De partager le live. Alors attends, Firefox. Vas-y, Firefox, je l'ai. Frérot, ne te fous pas de ma gueule, j'ai Firefox. Voilà. On va aller partager ça vite fait. Parce qu'en fait, je fais le live en mode wouh, comme ça. Voilà. Sauf que j'ai pas de partage, j'ai rien du tout et c'est. Tais-toi. Je sais pas si vous avez du son là, mais. Je crois pas, hein. Je crois que je l'ai viré. Je sais même plus ce que j'ai mis comme mot de passe. Non. Cet identifiant n'existe pas. Ah si, il existe un peu quand même, frère. Donc, te fous pas de ma gueule. L'identifiant il existe, Pélo. Oh là là, c'est triste. J'ai écrit un truc de travers ou quoi? Ouais. Ok, et donc j'ai reçu un SMS. Enfin, attendez deux secondes, hein, je suis en train de me connecter à Twitch là, c'est un enfer. Voilà, enfin, ça y est, on y est. Alors, ensuite, il faut que j'aille voir Studio Vidéo. Voilà. Donc oui, on va parler de l'iPhone 12. J'ai acheté l'iPhone 12. Voilà, je vous le dis, j'ai acheté l'iPhone 12. Voilà, c'est tout. Il y a que ça à dire, j'ai acheté. Je suis passé du côté obscur de la force. Alors, est-ce que le live est bien? Oui, ah, la qualité du live est bien. Hein. C'est pas mal. Ok. Partager. Secours. Au secours. Il y a l'option partager de Twitch là. Come on, allez. Excusez-moi. Non, j'ai pas le. Je suis pas atteint. Ne dites pas le nom de la maille, sinon je vais me faire striker. Je sais que c'est comme ça sur internet.
te reste plus qu'un truc à faire avec ton iPhone, le mode avion, à travers la pièce, merci, au revoir. Ouais. Mais comment on fait? Ajouter un compte, machin, etc. Développer votre communauté, héberger une chaîne, offrir des cadeaux. Mais non, quoi. Une séance ciné. Regardez le contenu du Prime Video. Non, ok. Super. Ah, il faut partager le... Mais comment on fait? Comment fait-on? Au secours. Je suis tellement pas habitué à Twitch. Bon, c'est pas grave, écoutez, on va pas... Ah, je veux bien que tu m'offres un sub. Non, merci. Non. Tu vois, ça, non. Alors, pas en ce moment, en fait. Pas, voilà, en mars, si tu veux, en mars 2021, si tu veux. Mais pas maintenant. Non, surtout non, ne me demandez pas de sortir la carte bleue, je ne veux plus. Même ma carte bleue, je vous jure, elle veut plus sortir. Hein. Je toque à la porte, elle fait allez, mais viens, tu vas voir, ça va être bien. Ma carte bleue, elle fait non, je veux pas ta fils de pute. Je vous jure, c'est rien. Ah, une Visa classique, caisse d'épargne, non, c'est pas une gold, hein. Pas encore, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Super. Bon, écoutez, j'arrive pas à partager le live Twitch sur YouTube, ça se fait tout seul, mais là sur Twitch, j'y arrive pas. T'as acheté l'iPhone 12 comme un pigeon, maintenant t'es dans la merde. Non, t'inquiète pas, non, je suis pas dans la merde, j'ai tout prévu. Ne vous en faites pas, j'ai tout prévu. Hein? Ah, il est bon, oh là là, oh, qu'est-ce qu'il est bon, il a mis un lien et tout, mon dieu. Frérot, t'es bien, toi. Toi, t'es bien. Faites comme lui, donc. Ok. Bon, écoute, on va pas s'emmerder. Écoute, si on est qu'à deux, c'est très bien. Écoute, on va, voilà. Je sais pas Wall Street, ici. On va s'arranger comme ça, ça sera très bien. Alors. Ah, il y a un lien qui apparaît en rouge, ouais, et tout. Oh, magnifique. Ok, ah, j'avais une miniature et tout, trop bien. OBS, c'est bien fait. Je suis toujours sur OBS, hein, ceux qui posent la question. Bah là, ça marche, apparemment, donc... t'as des modérateurs? Non, je me suis pas occupé de ça. Et je veux pas en avoir, en fait, parce qu'il y a trop peu de monde, en fait, qui regarde mes lives. On est trop peu nombreux. Si un jour, on est d'un coup, j'en sais rien, 500 en même temps sur le live, là, peut-être que je nommerai des modérateurs, pardon. Mais là, on n'est qu'à deux, tu vois, donc ça se gère tout seul. Ça se gère tout seul. Alors, on va passer au sujet du jour, qui est tout simplement la pigeonnerie internationale. J'ai nommé ceci. Plutôt ceci. Est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez, c'est pas très net, mais vous le voyez. iPhone. Si t'en cherches, tu peux compter sur quelqu'un. T'inquiète, je penserai à toi. Parce que toi, t'étais là quand il y avait personne. Donc, t'inquiète, tu es dans mes préférences. Et je déconne pas. Voilà, donc iPhone. Alors, j'ai pris un iPhone 12 Pro Max. Direct. Faut acheter la prise secteur. Adaptateur secteur. Ah oh là là. Voilà. On va prendre le petit micro USB-C Power Adapter 20 watts Power Adapter. Le 20 watts. Alors, je sais pas du tout combien est-ce qu'il m'a coûté parce que j'ai la facture de boulanger qui est sur ma boîte mail. Je pourrais très bien aller voir, mais je sais absolument pas. Voilà, c'est bien. Hein. Là, je suis tout flou. Je vais essayer de faire un mise au point. Sa mère. Ça sera pas mal comme ça. Et donc oui, j'ai tout acheté. Bon, je vais vous montrer déjà l'essentiel, c'est-à-dire le téléphone en lui-même. Voilà. Alors, on va faire comme dans la pub, vous savez. Et on va faire bam, 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 les plans qui passent tout près comme ça. Bam, 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 avec la musique comme ça, les trois capteurs photo là. Waouh. Et tu oses dire que
ta carte bancaire veut plus de toi. Mais de toute façon, elle est plus valable. C'est novembre, elle est plus valable. Elle veut plus de moi, elle veut se barrer. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je ne veux plus de la caisse d'épargne et ma carte bleue ne veut plus de moi. Donc tant mieux, au moins les affaires sont bonnes. Clairement, hein. La caisse d'épargne, barrez-vous, moi. Parce que là, pour prendre autant d'argent aux clients, il y a du monde, mais pour proposer des services, voilà. C'est la caisse d'épargne, hein. Bon. Donc voici l'iPhone 12 Pro Max. C'est pas juste un iPhone 12, c'est l'iPhone 12 Pro Max. En fait, c'est un iPhone 11 Pro Max aplati sur les côtés. Ouais, et avec quelques trucs en plus quand même. Commencez pas à comparer avec l'iPhone 11, s'il vous plaît. C'est quand même un peu mieux que l'iPhone 11. Alors, ça joue sur des détails, on est d'accord. Mais je n'ai pas eu l'iPhone 11 avant. J'ai jamais eu d'iPhone, c'est le premier iPhone de toute ma vie. Voilà. Donc, autant démarrer sur le meilleur iPhone d'aujourd'hui. Paf. Là, vous voyez le petit écran. Petit écran, c'est relatif. On a un écran, madame, messieurs, vous êtes prêts? Allez, on est parti. J'ai 13 ans, j'ai pas de carte bancaire, mais j'ai un PayPal. Oui, j'ai une très mauvaise expérience avec PayPal, mais enfin, tu dois être au courant, j'imagine. Je me suis fait, hein, je me suis fait un petit peu, comme on dit, arnaquer avec PayPal, mais c'est un petit peu de ma faute aussi. Mais écoute, si ça marche très bien, tant mieux. Hein. Si ça marche pour toi, PayPal, il n'y a pas de problème. Et donc, iPhone 12 Pro Max, 128 Go. Alors, j'ai quand même pris le modèle d'entrée de gamme. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de plus. 128 Go, c'est énorme. Je stocke tout en local. Je pourrais très bien stocker sur iCloud, mais ben, je vais me servir du stockage. Hein, 128 Go. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de gigas. Et puis donc voilà, on a des bords en métal brillant, c'est un châssis tout en alu, vraiment, c'est hyper costaud. Ma première vidéo que j'ai vue de toi, c'est Bouygues Télécom. Oui, ah oui, Bouygues Télécom. Mais t'inquiète, il m'aime bien, il m'aime bien. Il m'aime bien. Non, mais t'en fais pas, il m'aime bien. Je pense que je suis leur plus grand fan, à mon avis. Hein. Donc c'est des bords tout en métal, c'est de l'aluminium brillant. Derrière c'est du verre, ce qu'on appelle du verre dépoli. Donc en gros c'est pas comme le verre devant qui brille. C'est le même verre mais ben il brille pas. Voilà. C'est du verre dépoli donc. Là c'est poli, ça brille. Là c'est pas poli, ça brille pas. Il dit pas bonjour non plus le matin. Pas poli. J'en reviens pas, je fais des blagues comme ça là. Oh. Pas possible là. Il fait la blague avec poli, pas poli là. Oh. Pour parler du verre, il dit qu'il dit pas bonjour le matin. Oh. Bonjour, Sébastien de Carglass. Je suis en forme. Hein. J'ai pas bu de café encore. Hein. Faut pas demander ce que ça va être avec le café. Voilà, donc c'est un très joli, très grand téléphone. Alors, si c'est sûr que les gens qui sont sur iPhone 11 actuellement et qui hésitent à prendre le 12, moi je leur conseillerais de ne pas acheter l'iPhone 12. Pourquoi? Parce qu'il y a trop peu de changements par rapport au tarif que Apple vous demande. L'iPhone 12 Pro Max que j'ai ici, il coûte 1259 euros. 1, 2, 5, 9. Ça fait plus qu'un SMIC. Désolé pour vos oreilles, mais je touche, je vais vous dire mon salaire. Je travaille chez Leclerc Drive, je touche 1200 euros par mois. Il y a 59 euros qui se baladent dans la nature. Et ben là. Bouygues Télécom, bug trop, oui, mais on va pas le refaire le discours là, avec Bouygues Télécom. Bug tout seul, et en plus, il m'avait mis un forfait à 54 balles par mois, et la résiliation c'était 300 balles. Du coup, mes parents ont porté plainte, alors qu'à la base c'est 20 balles. Waouh, putain, vous êtes fait. Et, waouh. C'est pour payer TF1, ça. Ça leur appartient. Bouygues, le groupe Bouygues. Ça appartient à c'est TF1, il y a Bouygues Télécom, il y a Bouygues BTP. Ils ont plein de boîtes, hein, les mecs. Le monsieur, là, il s'appelle Bouygues. Je sais plus son prénom par contre, mais son nom de famille, c'est Bouygues. Et il a TF1, il a Bouygues Télécom, il a Bouygues BTP, il a. Enfin, il en a plein. Il y a des boîtes comme ça. Et bah, c'est clairement pour financer TF1. Parce que ça leur coûte cher. Voilà, bref, revenons à l'iPhone 12 Pro Max. Donc on a. Alors, c'est très drôle, mais Apple a du mal à passer à l'USB-C, je t'explique.
En gros, ils ont dit oui, alors on a fait des efforts parce que maintenant, on a avec l'iPhone, l'iPhone est compatible avec l'USB-C. Non. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas compatible avec l'USB-C. La prise qui est ici en bas, ce n'est pas une prise USB-C, c'est une prise Lightning. D'accord ? C'est la prise propriétaire Apple. Mais de là, avec le câble Apple, tu sors en Lightning et tu vas vers un USB-C pour aller vers, par exemple, un chargeur ou autre chose. Donc Apple te dit que oui, c'est compatible avec l'USB-C, mais en fait, que nenni, si tu essayes de mettre un USB-C là-dedans, tu te fais douiller. C'est pas de l'USB-C du tout, c'est du Lightning. Alors que sur l'iPad, le dernier iPad qui vient de sortir là maintenant tout de suite, c'est une prise USB-C. Donc Apple peut le faire, Apple sait le faire, mais Apple ne veut pas le faire sur l'iPhone. Parce qu'ils vont aller dire, mais alors techniquement, les mecs, la conception technique, technicale de l'iPhone fait que nous ne pouvons pas mettre de prise USB-C sur le... Voilà. C'est Apple, vous voulez avoir une prise USB-C, payer 300 euros. Ben, je pense que le prochain iPhone va être plus cher à cause de la prise USB-C. Ça ne m'étonnerait pas. Mais donc, ils vous font un discours, mais... à dormir par terre, à coucher dehors, un discours vraiment, mais... Et en fait, ben non, juste, on veut juste une prise USB-C sur ce putain d'iPhone, et il n'y en a pas, voilà. Donc il y a un moment, c'est bon. Alors ça change pas grand-chose, hein, je te le dis foncièrement, moi ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange pas, plus ou moins, évidemment. Puisque moi j'ai un autre problème, c'est que sur l'iPhone il n'y a pas de prise jack. C'est le plus gros changement qu'il y a sur mon matos, parce que tu vois, moi j'ai un casque, ici c'est une prise jack, j'ai des écouteurs, c'est une prise jack, j'ai des anciens écouteurs aussi, c'est une prise jack, j'ai tout en jack chez moi, et en fait là j'ai un téléphone qui n'a pas de prise jack. Je passe quand même énormément de temps sur mon téléphone, je regarde des vidéos sur mon téléphone, et j'ai besoin d'une prise jack, et il n'y en a pas. Alors comment je fais? Ben, on n'est pas plus con qu'un autre, j'utilise la paire qui est fournie, dégueulasse, hein, la paire d'écouteurs Apple, qui est fournie avec, le genre de paire qu'au bout d'un an et demi, deux ans, il y a un côté qui marche plus, tu sais. Et je l'ai tous, j'en ai acheté deux, trois paires il y a quelques années, j'avais un iPod Touch, hein, il y a longtemps, hein, il y a 10 ans peut-être. J'avais trois paires, ils ont tous eu le même problème. Les deux autres paires, c'était des contrefaçons chinoises, exactement le même problème. Tout pareil, donc c'est de la merde, voilà. Alors maintenant qu'on a dit que c'était de la merde, on va pouvoir discuter. Le câble me semble beaucoup trop fin, le câble des écouteurs, voilà, ça me semble énormément trop fin. Enfin, je suis habitué à avoir des casques, si tu veux, professionnels, donc les câbles sont beaucoup plus épais, beaucoup plus qualitatifs. Là ça se balade, c'est j'ai même rien que de le tenir dans les mains comme ça, j'ose pas le serrer, j'ose pas le plier, parce que je me dis je vais tout casser, ça a l'air si fragile. Et donc là, sur les écouteurs, c'est aussi une prise... Alors, vous ne la verrez pas, c'est difficile, c'est compliqué. C'est une prise Lightning, en fait, mais dans l'autre sens. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que la prise Lightning ressemble énormément aux prises USB-C, mais c'est pas les mêmes. Je sais pas si on a une prise USB-C dans ce sens-là, ici. Je crois pas. Hein. Je crois pas, je suis en train de chercher... Non, c'est du Lightning aussi, ça. Non, je crois pas que j'ai du USB-C comme ça ici. J'ai de l'USB-C dans l'autre sens, si tu veux, avec un trou, mais j'ai pas du USB-C en sortie comme ça. Voilà. Donc, au niveau de la qualité de fabrication des écouteurs, bon, c'est du basique. Hein. Enfin, bon, j'ai rien remarqué de particulier. Il y a un truc qui sert absolument à rien. Il y a une espèce de petit domino pour séparer les fils, là, tu vois. Espèce de tu vois le petit bout de que tu descends là comme ça pour soi-disant séparer les fils quand déjà tu peux pas y aller parce qu'il y a le micro là, le plus moins etc là. Et puis une fois que tu as fait ça, bah les fils ils s'enroulent mais derrière, donc du coup c'est absolument ridicule d'avoir encore ça en 2020. Voilà, hop. En plus j'arrive même pas à le remettre, voilà, super magnifique. En plus il est blanc là, mais je pense dans 6 mois il est jaune. La gomme qu'il y a dessus, c'est une gomme ultra fragile aussi, ça va finir par s'en aller. La câblerie chez Apple, c'est un gros problème, c'est-à-dire que
ils savent pas faire de câbles, c'est pas leur métier. Donc les câbles sont pourris, hein, clairement, c'est pas de la bonne qualité. Mon frère avait un câble sur son iPhone 6 à l'époque, il est passé à travers. Hein. J'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Passer à travers un câble USB, quand même, faut y aller. Hein. Voilà, et puis ensuite vous avez bah, les fameux écouteurs, les fameuses oreillettes en elles-mêmes qui ont une forme un petit peu biscornue, vous voyez comme ça, avec des trous dedans pour soi-disant laisser passer les basses, etc. Les basses, parlons-en, c'est des écouteurs qui sont basseux en fait, c'est là que je vous dis que la qualité est pas terrible. Même ce casque-là qui est pas encore un casque hyper, bon c'est chinois hein, ce truc-là, c'est une marque chinoise. Donc au niveau de la qualité c'est pas encore le top du top, bah, c'est encore mieux ça. Voilà, là on a un son clairement avec ces écouteurs là. C'est un son en fait, ça veut imiter des grosses enceintes qui poussent bien. On va dire que pour des appels téléphoniques, c'est très bon pour écouter de la musique. J'y mettrai pas ma main à couper pour dépanner. C'est cool, hein. Par contre, c'est cool pour dépanner quand t'as rien d'autre. Franchement, c'est bien. Voilà. Mais alors après, si t'as autre chose, vas-y, hein, parce que franchement, en plus, tu sais, pour le placer dans l'oreille, c'est un peu compliqué. Ils ont une forme un peu spéciale. Il y a une position, hein, ça se trouve, hein, mais il faut prendre l'habitude. Et puis clairement, les finitions sont dégueulasses. Là, je vois, il y a le raccord, si vous voulez, ça se referme, vous savez, en usine. Il est refermé. Le raccord, on le voit comme mon nez au milieu de ma tronche. C'est... Pour un téléphone qu'on paye 1200 euros, avoir une paire d'écouteurs aussi dégueulasse que ça, franchement, c'est nul. C'est nul, archi nul. Voilà, donc la paire d'écouteurs, je suis pas content, mais bah, on va dire que ça passe pour dépanner. Oui, je vois tes messages, mais si je commence à répondre, on n'est pas sorti. Faut que j'avance aussi, moi, tu sais. Ça fait un peu méchant, mais bon. Regarde, bah, je peux les lire vite fait. Hein. Fais un live avec ton iPhone pour tester, bah peut-être un jour. Ouais, alors je suis pas fan du live avec le téléphone, mais bon, pourquoi pas. Apple, vous avez pas la prise jack, mais achetez des AirPods. Ah oui, mais alors là, les AirPods, tu te mets un grille-pain sur le cerveau, c'est pareil. C'est des écouteurs sans fil en fait, et le fait que ça se trouve proche de ton cerveau, c'est pas très bon. Alors la puissance des électromagnétiques est faible, d'accord, mais à la longue, ça doit pas être terrible. Combien de fois tu vas changer de câble? Alors le câble d'origine, je m'en sers pas. Mon frère, il a un câble en tressé. Parce que lui, c'est pas son premier iPhone, hein, mon frère, c'est son deuxième iPhone, je crois. Deuxième ou troisième iPhone. Donc, il connaît un petit peu le schmilblick. Il a acheté, si tu veux, du câble tressé comme ça, qui est de bien meilleure qualité. Ben, et beaucoup moins cher parce que les câbles Apple, ils sont vendus hors de prix. Ils se font leur business là-dessus. Mais si tu veux, c'est du câble en cœur. Donc c'est un USB standard vers du Lightning que tu mets dans ton iPhone. Voilà. Et c'est du câble tressé. C'est tressé. Déjà là, tu vois, le câble, je le sens dans mes mains. Il pèse un certain poids. C'est pas lourd. Mais c'est de la qualité. C'est tressé. Tu vois, c'est de la tresse. C'est du tissu. C'est hyper costaud. Il y a un petit scratch, un petit velcro pour l'enrouler. Et puis les prises USB en elles-mêmes, elles sont hyper bien ajustées, il n'y a rien qui bouge. Rien de rien, absolument rien. C'est hyper bien ajusté, franchement c'est de la bonne qualité. Hein. Les finitions dessus, elles sont excellentes. Hein. Une espèce de petite gomme qui fait office de joint à cet endroit-là, la petite jointure, là, elle est franchement bien faite. C'est de la qualité. Et donc pour l'instant, je me sers de son câble à lui. Si jamais je veux recharger mon iPhone, je m'en servirai. Voilà. Depuis que je l'ai eu, ça fait depuis jeudi. D'accord? J'ai mon iPhone depuis jeudi. Je ne l'ai pas rechargé une seule fois et je suis...
et ce soir. Ah, c'est drôle, hein. Franchement. Il y a un truc que j'ai oublié de couper. Putain, chut. Merde. Voilà. Voilà. Boum. À l'ancienne, hein, la webcam. Bon, le son est pourri, du coup. Le son est absolument pourrave, on n'entend rien. Bon, bah, super, quoi. Oui, ça va vous? France 3 Picardie s'excuse pour cette interruption momentanée de l'image et du son. Voilà. Là où la 5, c'était une interruption définitive et c'était marrant. C'était franchement marrant. Voilà, bon, bah, le son est pourrave, hein, j'y peux rien. Et puis voilà, on va passer à Fortnite, hein, si vous voulez bien. Donc l'iPhone 12 Pro Max, évidemment, j'ai payé cher. Alors le secret, c'est que je le paye en 4 fois. Je paye 300 euros tout de suite. Et je paye 300 euros pendant 3 mois, je crois, derrière. Donc ça me permet d'avoir le téléphone le plus cher du monde, même si j'ai pas d'argent pour le payer. Mais attention, attention, payer en plusieurs fois, c'est pas magique, d'accord? C'est pas de la magie. Si vous n'avez pas les moyens, ne le faites pas. Moi, c'est parce que j'ai un travail et que je suis sûr de pouvoir le payer sur les 4 mois. Voilà. Alors, avec, juste pour terminer, avec, j'ai acheté une coque transparente. J'ai acheté une coque transparente, voilà, la petite coque Apple officielle MagSafe, avec le rond derrière. Et tu t'es fait niquer parce que tu trouves mieux pour moins cher. Oui, je sais, non, mais c'est pas mon problème de trouver mieux pour moins cher. J'ai une coque MagSafe Apple officielle qui vaut 55 euros, c'est scandaleux, mais bon, tant pis, c'est pas grave. La boîte, la petite boîte, voilà. Tout simplement pour protéger le téléphone au maximum. Le jour où je voudrais le revendre, il va se vendre plus cher parce qu'il n'est pas usé. Et ouais, et en plus je pourrais vendre les coques avec et tout. Voilà le petit coréen. Bon, même si je me suis fait un petit peu, hein, mais bon, voilà, c'est ça, ça passe, hein, il n'y a pas de problème. Et donc bah aussi avec le petit chargeur USB-C qui est là, chargeur officiel Apple. Pareil, j'aurais pu acheter une autre marque, beaucoup moins chère, etc. Mais j'avais entendu des trucs pas cool avec les autres chargeurs. Voilà, j'ai mes raisons, donc évidemment, d'avoir acheté ça. Voilà, j'étais pas obligé, mais je l'ai fait. Voilà. Ok. Et donc, avec, évidemment, c'est le seul. On est l'un des rares pays au monde à faire ça. Vous savez, la fameuse boîte là, comme ça, toute blanche avec les écouteurs dedans. Donc, je vais vous montrer, j'ai encore. Voilà. Le truc des écouteurs, hein, c'est à l'intérieur, ça se présente comme ceci, c'est juste du carton. Il va acheter le MagSafe 1. Alors non, justement, je cherche le MagSafe exprès pour l'iPhone 12, parce que je sais qu'il y a un autre MagSafe, enfin MagSafe entre guillemets, pour les Apple Watch qui est plus petit. J'ai failli l'acheter, mais je me suis dit non, c'est pas possible que ce soit aussi petit que ça. C'est pas possible. Et effectivement, j'ai eu raison. Donc je verrai ça le mois prochain, parce que là par contre je suis un petit peu en slip. J'ai vu des tarifs passer, mon pote, waouh. Donc on va attendre, voilà, ça fera office de cadeau de Noël, petit chargeur MagSafe qui va arriver à la maison. Voilà, donc et je disais, on est l'un des rares pays au monde à faire un sur-emballage comme ça en carton blanc pour mettre les écouteurs dedans. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire en mille, en France, quand tu achètes un téléphone, c'est obligatoire d'avoir ce qu'ils appellent un kit main libre. Pour téléphoner dans ta voiture, ce qu'il faut pas faire, ou quand tu es à vélo ou des trucs comme ça, c'est une obligation. Voilà, dans tous les autres pays du monde, c'est directement la boîte de l'iPhone avec un petit plastique par-dessus. En France, on est obligé d'avoir cette boîte blanche en plus, c'est obligatoire et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Tous les téléphones, les tablettes et tout qui sont vendus. On est obligé d'avoir une paire d'écouteurs avec. Après, l'Europe vient nous engueuler parce que on vend des chargeurs, c'est scandaleux, on vend des chargeurs et des câbles, etc., etc. Donc à l'intérieur, il y a une paire d'écouteurs que les trois quarts des gens ne serviront jamais, et en plus de ça, c'est du carton. Vous vous foutez de notre gueule. Oui, je le crois fortement. Voilà.
Ils vous parlent de la planète et de l'environnement. Il y en aura des millions, des boîtes comme ça, avec des millions de paires d'écouteurs à l'intérieur. Avant de nous bousiller et de nous dire plus de chargeur dans la boîte, plus de câbles, parce que c'est l'environnement. Ils me font rire. Les politiques me font rire, hein. J'adore. Parler de politique avec moi, vous en avez pour la journée. C'est incroyable. Votez Mélenchon. Enfin, votez ce que vous voulez, hein, si tant est que vous pouvez voter, évidemment. Voilà, je vise personne. Allez, Fortnite. Yes, Fortnite, le retour. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas joué à Fortnite. Et il fallait que je rejoue. Il fallait que je rejoue. Donc voilà. Désolé encore une fois pour l'interruption momentanée de l'image et du son que nous avions eu il y a 5 minutes. Mon appareil photo, qui est un Lumix FZ1000, je vais vous le montrer vite fait, hein, vous l'avez peut-être déjà vu. Allez, pour la forme, voilà, ça, tu vois. Je branche une prise HDMI dessus, boum, dans le OBS, et c'est parti. C'est bizarre, ma mère est pour Mélenchon. Elle a bien raison. Si ton père est pour Sarko, il a bien raison aussi, et on a tous bien raison d'être pour quelqu'un. Pour qui on veut, mais pour quelqu'un, vous êtes libre. Vous pensez ce que vous voulez, et moi aussi. On va s'arrêter là-dessus, parce que si on commence à discuter de ça, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. On fait ce qu'on veut. On est un pays libre. Liberté! On vote ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Donc, chacun son avis sur la question. Je vais tout acheter. Ah ouais, non, ouais. La prochaine étape, le Mac Mini. Ensuite, j'aurai l'Apple Watch. Si, ah si, ah si. Non. Non, non, pas à ces tarifs-là. Non. C'est du bon matos, mais pas à ce tarif-là. Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà. Alors, Fornite. Ah, ça y est, ça plante. Non, ça arrive. Ok. Donc, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Fortnite. Tout simplement parce que je devais le mettre à jour et j'y arrivais pas. J'ai aussi fait un autre achat dont je devais vous parler. C'est une. Attendez. Je n'ai pas la Covid, mais je crois que c'est pas loin. Pardon. Hop, paf, le petit Battle Royale qui va bien. Alors dites-moi. La carte bancaire dira non, non. Ouais, la carte bancaire, ça va pas être d'accord avec moi. Elle va pas être d'accord avec moi. On joue ensemble. Non. Alors c'est pas que je t'aime pas. Attention. Alors c'est bien gentil de proposer, mais j'ai peur de pas avoir le temps. Donc je vais te répondre non. Voilà. D'ailleurs, je vais essayer de rejouer de refaire une solo parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, tout simplement. Et puis, parce que je vais essayer de niquer des mères. Voilà, je vais essayer de niquer des mères. Est-ce que vous voyez le jeu? Oui, je crois. Hein. Est-ce que le jeu il doit être à fond par contre. Alors, attendez, ah, vous avez un bug sur la. Attendez, ok, j'arrive. Vidéo HDMI, USB vidéo, non, faut changer. Ajoute en ami, le pire pour la prochaine fois. Alors attends. Merde. Attends. Au secours. Qu'est-ce que. Ah merde. J'ai un petit bug, hein, excuse-moi.
Voilà, là vous avez ma voix et vous avez l'audio du bureau. C'est parfait. Hop. Hop, et je me drop comme un abruti. Pas de problème. J'aime bien aller là-bas, on va aller là-bas. Donc ouais, ne jugez pas ma qualité de jeu, c'est dégueulasse. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc voilà. C'est... La petite baraque là, elle est bien aussi. Alors là-dedans, il y a de la musique à fond, c'est un petit problème. Bon, surtout, dites-moi si vous avez des petits soucis pour voir le jeu et tout ça. Ensemble, tout le monde. Ensemble, tout le monde. Allez. Musique à fond. C'est génial. Ok. Alors, ah, le petit pompe. Il n'y a plus le fusil à pompe. Vous rappelez l'ancien fusil à pompe, là, rouge. Je l'aimais bien celui-là. Il était vachement pratique. En début de partie, t'avais ça, t'étais le roi. Là. Oh, y a quelqu'un qui est en train de taper sur ma co. J'ai un...
Ah, c'est bien là. Oui, on va pouvoir remplacer le fusil à pompe. Hop, voilà. Ça n'en a pas besoin. Bon, on est près de la zone. Ah, ça c'est bien. Ce qui mange pas mal. Et là, j'aime bien aller là-dedans. Un beau petit quartier quand tu veux être tranquille. Je vais peut-être pousser un peu mon son histoire d'entendre. Voilà. Oh oui, oh, une lunette. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On va la prendre. Hop, je la prends. Oh, alors avec ça, mon pote, faut pas me laisser faire. Clairement un putain d'assassin avec la lunette là. Là je dis ça puis je vais jamais y arriver, tu verras. Super. Oui, oui, nous sommes d'accord. C'est la bonne réponse. Alors. Ah, faut se barrer, faut se barrer. On va aller. C'est dangereux ce que je fais là. Pas à l'intérieur parce qu'on risque d'être coincé. Où est-il? Au-dessus. Il est peut-être au-dessus. Hein. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oulu Kuptial. Ah, ça s'avoine, hein.
train de s'abonner. Ils sont où? Vous. Il m'a pas vu, il m'a pas vu, ok, il m'a pas vu. Chut. Putain. Petite pièce. Oh, pour vite, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ouais, ils sont là en bas. Ah, j'aurais pu faire un kill là, non? Hop. Secours. Ok, j'ai du bandage, tout va bien. Vas-y, passe ta tête. Ah ouais, mais OBS me prend des ressources. Là je tourne pas à fond, j'arrive pas à... j'arrive pas à viser. Ok. Bah de toute façon je l'avais vu. Ah ouais, mais du coup vous... Ah merde. Pardon. Oui. Quel bruit. Je suis un abruti fini à la piste, hein. C'est pas possible. Donc voilà. N'importe quoi. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ça plante. Au secours. Ça marche? Ouais, ça marche. Ok. Donc bah je vais vous laisser, hein, il est midi 14, je vais vous laisser, c'était un beau petit live. Donc du coup bah ouais, iPhone 12, alors le je vais vous montrer vite fait mon petit la petite acquisition derrière là, un petit bandeau LED RVB. Alors là je l'ai coupé, hein, évidemment je l'ai coupé ici au fond. Et donc ça me permet de mettre un petit peu de lumière. On va reculer. Voilà. C'est beau, hein. Je peux mettre toutes les couleurs que je veux. Du blanc, je peux l'éteindre. Toutes les couleurs, etc., etc. Petit bandeau LED, donc vachement sympa. Ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de le prolonger en fait ici au-dessus de la porte. Ou quelque part, je sais pas, en dessous peut-être. Je sais pas. Sous le bureau, je verrai bien. Je sais pas pourquoi le micro coupe. Voilà. Mais ça commence à m'emmerder. Hein. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous souhaite un bon dimanche. Bon week-end. Et puis bah force pour la semaine qui vient. Et puis vous en faites pas.
Ça coupe, je suis désolé, ça coupe. Alors on va peut-être arrêter. Peut-être arrêter. On va peut-être arrêter Fortnite. Il prend peut-être un peu beaucoup de ressources. Donc ouais, je disais, passez une bonne semaine, passez un bon week-end surtout. Et puis vous en faites pas, hein, le virus, on va y arriver. Hein. Faut pas perdre espoir, surtout. Faut pas perdre espoir, faut pas relâcher. Faut pas se relâcher. Le confinement.